Bienvenue à vous tous, mes chers amis scorpions, pour votre guidance sentimentale. Et aujourd'hui, tout simplement, je vais utiliser les esprits de la forêt, l'oracle des fées, et vous allez voir, ça va bousculer, ça va... quelque chose en vous va se réveiller. Ne me croyez pas, écoutez et vous verrez par vous-même. En tout cas, mes chers abonnés, mes chers amis, je vous remercie de votre abonnement, de votre soutien. Et puis, si tu viens d'arriver, si vous venez d'arriver, eh ben, bienvenue à vous tous les amis scorpions. N'hésitez bien sûr pas à partager cette guidance et puis toutes les autres, car je l'ai fait tout simplement pour vous-même. Sachez que cette guidance est une guidance sentimentale, tous les jours à 19h, une guidance sentimentale et le jour d'avant, la générale. Donc si vous avez raté parce que vous n'avez pas eu beaucoup de temps et j'en suis conscient, vous pouvez retrouver ici en haut à droite, une petite bande noire va apparaître et vous pourrez cliquer dessus et voir votre guidance générale et d'autres vidéos que je vous partage, dont une où je vous explique qui je suis. Voilà. Avec, c'est marqué « C'est qui ?». Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes un petit peu curieux et curieuse, n'hésitez pas à cliquer dessus. Allez, c'est parti, on y va. Le plus important, sachez les amis, c'est de mettre une belle intention. Donc ici, on purifie les cartes pour qu'elles soient le plus explicites possible. Et bien sûr, ici, une lumière pour attirer à nous les vibrations positives. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Que va-t-il donc se passer pour vous, mes chers scorpions, pour ce mois de mai au niveau sentimental ? Voilà. Bien sûr, n'hésitez pas à partager. C'est le bouton qui est en dessous. Partager, à me mettre un petit j'aime si vous aimez bien. Si vous aimez pas, vous pouvez mettre, mais bon. Hein. Et puis me dire ce que vous avez sur le cœur, votre ressenti. Parce que, après tout, c'est pour vous que je suis là. C'est pour vous servir. Laissez l'amour vivre, c'est cette phrase qui vient à moi en cet instant. Alors, on va ensemble laisser l'amour vivre. Et c'est ce qu'on voit ici, frère, avec la paix, le contentement, l'abondance. Alors, il ne faut pas se contenter de ce que l'on a. Vous avez compris, l'abondance, c'est d'être reconnaissant, d'avoir cette gratitude que l'univers, que la source, nous envoie tout ce que l'on a besoin. Et en prenant du recul, les amis, vous comprendrez que l'abondance a toujours été là. Faites très attention à ce que vous vibrez à chaque instant. Telle est la loi de la divination, comme je l'appelle. La loi de la divination, ben, tout simplement, c'est que vous attirez à vous ce que vous avez besoin, pas ce que vous voulez. Vous comprenez? Et ça, c'est un message de frère, parce que nous sommes tous des frères et des sœurs. Et nous devons tous nous entraider ensemble. La deuxième lame ici est l'homme vert que tu connais depuis pas mal de temps. C'est la fertilisation, c'est l'action que tu dois mettre en place. C'est ce que tu décides de faire. Le choix, la décision.
de faire ou de ne pas faire, d'être ou de ne pas être, de penser ce que tu dois faire, de bien penser, ou de penser à rien, à tout, à quoi, pourquoi, comment, à et si? Et si, et si, et si, je devrais faire ça? Bannis-le, moi, ce et si! Et dès à présent, commence à ton pourquoi? Pourquoi je dois le faire? Pourquoi pas moi? Et pourquoi pas? Et pourquoi, 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 pourquoi? Prends cette initiative de te réveiller, de renaître de tes cendres. Pourquoi je devrais faire? Pourquoi je devrais ne pas faire? Cette lame, la licorne dorée, t'indique la protection. Tu comprends que la licorne est un gros symbole, un symbole magnifique qui peut être ton animal totem dans le chamanisme. Peut-être que pour toi, la licorne, cet animal totem, est le tien. C'est lui, c'est cette licorne qui te défend de toutes ces mauvaises passes que tu vis dans l'instant. La quatrième lame ici, c'est la princesse au voile. C'est la communication, les relations. En ce moment, je sais que les communications et les relations que tu as avec le monde extérieur ne sont pas comme tu voudrais qu'elles soient. Alors il est temps pour toi de te poser, de t'introspecter, comme tu le fais ici avec moi en cet instant. Et de réfléchir un petit peu, de penser. Oui, pense. C'est bon de penser. Cette croyance limitante que beaucoup de personnes pensent qu'il ne faut pas penser. C'est assez dommage. Alors qu'en fait, plus tu penses, plus tu réfléchis, plus tu prends du recul. Et plus tu arrives à te transformer. Et la princesse au voile t'indique ici à te transformer, à devenir une personne plus consciente. La cinquième lame ici, mon ami, est le reflet magique, la confiance que tu dégages. Si tu as du mal à t'estimer, à te trouver beau, belle, à trouver un charme dans ton regard, dans ton attitude, dans l'être que tu es, dans la façon de te comporter avec toi-même et avec les autres. Sache que le reflet magique ici t'envoie un message. Et ce message, mon ami, au niveau sentimental, est l'amour. Tout est amour. Et l'amour est quelque chose de puissant. Mais cela va demander un énorme effort. En es-tu capable de le faire? Cet effort quotidien? Bien sûr que tu en es capable. Si tu es là encore avec moi, que tu me regardes, que tu es là. Ici, on a la lumière violette derrière, la lumière indigo.
la personne curieuse, la personne intelligente, mature, spirituelle depuis pas mal d'années, qui sait beaucoup de choses. Et au fond de toi, tu sais beaucoup. Tu sais que ce que tu dois faire va être difficile. Parce que la vie n'est pas que facile. Tu es une personne éveillée. Tu le sais. Et si tu veux attirer à l'amour ou si tu veux attirer à toi la personne que tu veux, il va falloir devenir cette personne. La loi de l'attraction, tu attires à toi ce que tu es. Et si tu as des personnes autour de toi que tu n'aimes pas, que tu trouves, peu importe le mot que tu vas mettre dessus, c'est qu'il faut travailler sur cette partie inconsciente de toi-même. C'est le reflet magique, l'effet miroir. Je te remercie de ton abonnement, de m'écouter. Si tu es ici encore avec moi, c'est que tu as déjà fait cet effort. Cette guidance, elle est extrêmement puissante. Des clés te sont révélées dans chacune de ces guidances. Je t'invite tout simplement à la mettre dans la playlist, à te créer une playlist et à la réécouter, réécouter, réécouter. Même toutes les autres, mois après mois. Car tu comprendras en augmentant ta conscience qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. La cinquième lame, c'est la clé de l'harmonie, la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions. Tel est votre héritage spirituel, mes amis. En fait, tout simplement, la gardienne de l'histoire t'indique ici de mettre en commentaire quelle est ton histoire. Quelle est ton histoire? Prends un cahier. Si tu as du mal à raconter ton histoire, alors prends un cahier et marque quelle est ton histoire. Tu notes toutes tes réflexions. Et après, on se retrouve en consultation. On va gagner du temps, toi et moi, parce que je vais te demander de me raconter ton histoire par la suite. Tu auras noté toutes tes réflexions. Fais cette action, mon ami. Et on se retrouve en consultation. Directement. On va gagner beaucoup de temps ensemble. Alors, quelle est ton histoire? Laissez l'amour vivre, les amis. Et je vous retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Fais-toi ce petit kiff, ce plaisir. On se retrouve là. Allez, à tout de suite, mon ami.